Voilà, on est sur le Iggy Pop Search and Destroy, on est sur le Chorus, et selon les explications de Baptiste, on va lui faire confiance parce que c'est un vrai fan du truc. Voilà comment il le joue. Donc on va le jouer tous ensemble pendant 4 boucles et puis on détaillera après. Ça va ? On est prêt ? 1, 2, 3, 4. La trame elle est simple, il y a une boucle de 4 mesures, la première est jouée sur la quinte de Do dièse, la deuxième sur la quinte de Si, la troisième sur la quinte de La, et la dernière sur la quinte de Si. Alors il y a des articulations pour passer d'un accord à l'autre. On a un contretemps sur le... la quinte de cet accord là. Donc sur le Do dièse, on joue la quinte de Sol dièse. Et après, on va sur la quinte de Si. Et c'est toujours la même phrase qui est articulée entre les deux. C'est Mi, Fa dièse, tout Sol, et puis l'accord. Mi, Fa dièse, Si. Et puis là, il n'y a plus rien là. On joue toutes des croches jusqu'au bout et on joue l'accord sur le temps. 1 et 2 et 3 et 4 et...